que là, il y a un portail devant eux. Donc, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis. Donc. Vous pensez qu'elle nous voit ou pas? En vrai. Je sais pas trop. Bonjour à tous les amis, c'est Guylaine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la survie FNAF. Aujourd'hui, les amis, on va faire quelque chose de très très sympa, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. C'est cloner, et on va cloner, écoutez, Mangle et Foxy aujourd'hui. Mais juste avant de faire ça, comme d'habitude, on va faire, je vais vous montrer le fanart de l'abonné. Cette fois-ci, les amis, ça va être un fanart, écoutez, d'un abonné qui s'appelle Natsu. Voilà, je te remercie énormément. C'est son pseudo, donc voilà. Tu t'appelles Natsu, très très joli petit dessin avec un espèce de super bonnie et tout, très très classe. Je te remercie énormément. Les amis, je le rappelle, si vous voulez m'envoyer un fanart, ça sera dans la description. Il y a mon adresse mail. Ça sera plus facile pour vous de m'envoyer, écoutez, bah, tout simplement vos petits dessins que je passerai en vidéo. Il n'y a pas de souci, ça me ferait énormément plaisir. Les amis, aujourd'hui, du coup, comme je vous ai dit, on va cloner, bah écoutez, nos amis Mangle, Pré-Mangle et Foxy. Et je me demande beaucoup de choses, en vrai. Je me pose des questions par rapport aux deux. C'est, je me demande, est-ce que c'est une bonne idée de laisser Pré-Mangle ou de mettre vraiment Mangle. Le problème, c'est que Mangle, on l'a toujours pas vu. Et j'avoue que ça serait un peu étrange. Imaginez, si la vraie Mangle voit que Foxy est avec Pré-Mangle, j'ai peur qu'elle lui fasse une crise de jalousie, mais genre à tel point qu'elle veuille attaquer Pré-Mangle pour la tuer et prendre sa place. Donc ça, en vrai, je me demande énormément. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire notre portail ici pour aller dans notre base. Par contre, j'ai pas prévu les blocs du portail, il faut que j'aille les chercher. On va faire tout ça. Et écoutez, je pense que ça va être nickel si on fait ça. Alors, c'est pas là où je voulais aller, mais par contre, ça fait un moment qu'on n'y est pas allé ici. Je vous avoue que ça fait un petit moment. Voilà, toujours aussi beau, hein, la lune et tout. Ça fait classe avec les cheddars. Mais c'est vrai que ça fait un bail. Même là-bas, ça fait un bail qu'on n'y est pas allé. C'est quand même chaud. On va retourner, voilà, là. On y arrête qui est juste ici. Hop, il va venir avec nous, tant qu'à faire, s'il veut. Et hop, est-ce que... Où j'ai rangé mes blocs de portail? Je sais, là, il y a ça. Mais il me manque... Est-ce que c'est du marbre que j'utilise d'habitude? Est-ce que c'est du marbre? Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'était du marbre ou... voilà, c'est celui-là, marble. C'est marble ou cobblestone. Bon, de toute façon, les deux marcheront, je pense. Il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, on a tout récupéré. Mais franchement, Minecraft avec ce shader pack, je sais que je vous le dis à chaque fois. Mais c'est trop beau. C'est vraiment beaucoup trop beau. C'est un truc de ouf. Donc, écoutez, on va faire le portail, tout simplement. On va essayer de les faire rentrer à l'intérieur. Et on va les faire se téléporter, bah, écoutez, tout simplement ici pour essayer de les changer. Bien sûr, il faut que je fasse ça une fois... Il faut que je fasse ça, bah, écoutez, faut que je prenne le temps de le faire parce que c'est très compliqué. Je vais juste dire, ah, voilà, est-ce qu'ils viennent avec moi ou pas, je ne sais pas. On va préparer le portail et on va y aller, regardez, tout simplement. Je sais pas s'ils vont pouvoir se téléporter, j'espère. J'espère qu'ils vont pouvoir se téléporter, il n'y a pas de soucis, nickel. Là, voilà, c'est fermé, c'est parfait. Et écoutez, bon, on va y aller. Faut que je fasse attention, faudrait toujours que je me fasse une espèce de porte ici. J'ai un peu la flemme, on va casser. Vous n'avez rien vu, je vais me prendre un coup de pique, c'est pas très grave, même pas. Alors Golden là par contre, oui, mais c'est pas, vous êtes pas intelligent. Je vous le dis des fois. Mais les retourne, mais oh là là, Red. Qu'est-ce que tu me fais, Red? Mon dieu. Des fois il est débilou, hein, ce petit chien, il est un peu débilou. Y a pas trop de soucis. Là par contre ça fait étrange. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas très très grave, de toute façon Purple, c'est très bien qu'on habite ici, faut juste faire attention à ce qu'on se croise pas trop d'animatroniques, j'avoue que faudrait faire attention. Il faudrait faire attention à tout ça apparemment. Bah oui, de toute façon Funtime Freddy on l'avait capturé. J'allais dire bah oui. J'avais complètement oublié qu'on l'avait capturé alors que je l'ai capturé la semaine dernière, quoi. C'est quand même chaud. On va pas se le cacher. Ah, ma caméra qui s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était juste un petit problème de cam, il n'y a pas de souci. Écoutez, on va pouvoir repartir de bonne voie. Je kiffe ces shaders. C'est décidé. Non, mais c'est vraiment trop classe. Regardez comme c'est beau. Regardez ça. C'est beaucoup trop beau. J'adore. Hein. Avec la lune. Oh là, qui passe derrière les nuages. C'est fantastique. Des fois, Minecraft, on se dit c'est juste un jeu cubique. Et pourtant. Oh là là, moi, c'est un de mes jeux préférés. Clairement, je le kiffe beaucoup trop. Et
On peut faire tellement de choses avec. Tellement de choses belles que c'est super agréable de jouer avec ça, quoi. Enfin bref, dans tous les cas, on va pas s'éterniser sur la beauté du paysage. Il faut qu'on aille changer Foxy et Premungle en animatronique gentil. Ça va nous aider. De toute façon, pour les mettre, bah, du coup, dans la pizzeria. Pour les mettre dans la pizzeria par la suite. Tac, 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 regardez. Alors, le portail. On va faire comment? Je pense qu'on va faire une espèce de portail comme ça. Voilà, tout simplement. Et par contre, je mets de la cobblestone tout autour. Hop, tac, tac, tac. Il faudrait... On va attendre le jour. Je vais attendre le jour et on va aller faire se téléporter. Qu'est-ce qu'il y a, Night Marionette? Ok, bizarre. Ça s'excite un peu, hein, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, mais là, c'est bon, j'ai changé la... Je suis en train de les faire se téléporter. Apparemment, ils aiment pas trop. Donc bon, les amis, écoutez, je vais attendre le jour. Je vais... Bah non, bah limite, on se retrouve bah, quand... Ah bah attendez, on va ouvrir ensemble, bon, on va essayer de les... On va essayer de les faire se TP. Bon écoutez, on attend le jour et on va faire ça, on va faire ça. Ouais, donc du coup, regardez, je suis en train de casser tout ça, au moins ça va leur permettre de venir. Je vais juste, voilà, j'aurais dû être intelligent pour le coup. Et oui, mauvais joueur, on va pas se cacher. On va tac, 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 tac et tac. Là par contre, ça devrait pas faire ça, mais c'est pas très grave. Et au pire, si il refait... C'est pas très grave. Hop, bon, c'est pas grave. On va fermer tout ça. Donc, regardez, du coup, il fait jour là actuellement. Vous pouvez le voir même au niveau des caméras. C'est vrai que là, on voit beaucoup. On voit beaucoup. Enfin, bref, vous voyez très bien qu'il fait jour. Voilà, c'est nickel. Donc, on va pouvoir refermer tout ça. Et on va pouvoir les faire se téléporter. J'ai peur. On va attendre. Là, par contre, on va devoir attendre la nuit. Et je pense qu'ils vont pas se téléporter tout seul. Parce que là, il y a un portail devant eux. Donc, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis. Donc, écoutez, on va faire une transition. Je vais aller de l'autre côté. Je vais aller avec Golden et Pingouin et Red, en vrai. Parce que, tant qu'à faire, ça reste quand même les bros. Et ils vont venir avec nous pour la transformation. Parce que ça reste quand même des animatronics. Faut se méfier. Et au cas où, je vous avoue que Pingouin pourrait tout moment leur casser les deux jambes si on a un souci, mais normalement ça devrait se faire. Attendez, moi, ça me gêne. Tout à l'heure quand on est passé devant, ça me gênait. Voilà, hop, on est donc écoutez, là on va attendre la nuit et on va voir si ils vont arriver à se déplacer pour venir jusqu'à nous. Donc bon, allez les amis, petite transition, j'attends la nuit et on arrive. Bon du coup les amis, on se retrouve, la nuit est tombée, on va voir, bah écoutez s'ils sont téléportés. Moi en attendant, je ne suis pas retourné bah, depuis tout à l'heure, j'attendais juste que la nuit tombe. Donc écoutez, on va voir s'ils sont là. Et apparemment, ok, il y a Premungle déjà et il y a Foxy. Il y a Foxy là-bas, ok super. Faut que je fasse attention parce que Foxy, avec, non c'est lui. Pingouin, tu restes là. Parce que Pingouin en vrai il est chaud, hein. Il attaque tout le monde, faut faire attention à lui. Faut faire très très attention à lui, voilà. Allez, Foxy nous a vu. Je vais ouvrir ici. Faudrait que j'arrive à les attirer. Ok, ça rentre dedans. Allez, Premungle, si tu peux aller faire rentrer Foxy, ça pourrait être super. Là, j'ai peur que... Regardez, je passe à moitié de... Ah, il y a la moitié de sa tête qui passe. Attendez, on va faire la fameuse technique dite du portail cassé. Vous la connaissez, hein, cette technique. Tac, 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 tac. Vous allez voir. On va... Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il bug. Moi, ce qui m'étonne, c'est des fois, ouais, voilà. Ils vous voient, mais ils ont pas envie. Plutôt étrange. On va essayer de peut-être les faire se déplacer autre part. Voilà, là, par contre, là, vous pouvez, hein. Vous foutez de moi, là. Vous foutez de moi, les minots. Regardez. Et oui, il dit oui. Regardez avec sa tête. Il fait oui, comme ça. C'est n'importe quoi. On va essayer de trouver un peu plus en l'air. Ouais, tu me vois là. Regardez, je suis dedans quoi. Je suis dedans. Non mais il me troll. Oui, je te troll. J'en ai marre. Voilà, mais t'as compris, tu sais très bien. Tu sais très bien qu'il faut que t'ailles là. Non. Regardez, c'est là. Il se fout de moi, il a pas envie. C'est ouf. Attendez, faut que je...
Je vais faire, je vais les faire se stopper un peu. Voilà, il faut faire attention avec ce genre de choses. Allez, viens, viens. Oh, je vais devoir vraiment attendre le jour pour les pousser, les remettre dedans. Bon, les amis, transition, j'attends le jour, je les mets dedans. Et on se retrouve quand il refait nuit, on active la machine. Allez, les amis, c'est parti, let's go. Bon, les amis, il fait nuit, c'est bon. Regardez, les animatronics, enfin... nos chers amis Foxy et Primanga sont juste là, on peut les voir à travers, regardez. Et écoutez, on va essayer de les faire se transformer. Donc là, pour les faire se transformer, vous le savez très bien, il faut qu'on attende devant la machine. Et la question, c'est, est-ce que ça va bien se passer? Donc on va voir, et écoutez... Attention, est-ce que ça va marcher? Ok, bon apparemment ça a réussi, regardez, on a Foxy Mangle devant nous. Est-ce que on va voir si Pingui. Ok, ils nous suivent, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les autres sont toujours dedans? Ils sont toujours devant. Ok, super. Faut faire quand même attention à Pingui. Bon écoutez, bah c'est super, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Bah écoutez, je vais les ramener, on va les amener dans la... Tout simplement dans la base. On va essayer de... Normalement ils vont pouvoir se téléporter, voilà, bon on entend, il y a Foxy derrière. C'est nickel. On va pouvoir écouter, bah c'est nickel, hey, on a Foxy et Mangle en... Et pré-Mangle du coup, excusez-moi. En animatronique gentil, c'est vraiment une bonne nouvelle ça. Je vous avoue que... Ça fait plaisir de les avoir en eux, parce que ça reste quand même des animatronics qu'on aime beaucoup, et je suis vraiment content de les avoir en tout cas avec nous. Regardez ça, on va voir s'ils se déplacent, s'ils veulent bien nous suivre. Ok, il n'y a pas tout le monde qui a suivi. Puis il fait un son bizarre. Par contre, Primangle n'est pas là. C'est plutôt étrange. Bon, en tout cas, on va les ramener. On va ramener Foxy déjà. Attends, hop, viens ici, Red. Je vais lui donner un peu de nourriture. On va vite. Oh, j'ai cru que c'était un animatronics. J'ai eu peur. On va vite les ramener à la maison. Par contre, ça m'étonne parce que du coup, il y a. Ah, voilà, mais. Pingui est où? What, Primangle était juste là et... Ah voilà, juste là, ok, nickel. Je sais pas ce qui s'est passé, bon... Pingui doit toujours être là-bas, y'a pas de souci. En attendant, bah écoutez, on va vite les ramener. Je suis vraiment content qu'on ait capturé, bah écoutez... qu'on les ait capturés, ça fait vraiment plaisir. Et il faut faire attention parce que... Faut faire attention à voir s'ils sont déjà re-téléportés ou pas. Parce que vu qu'il fait nuit, ils peuvent... Ils peuvent se téléporter. Et je vous avoue que je préfère faire attention. On va checker. Ouais, ok. Ils sont déjà là. Ils ont réussi à se re-téléporter. Je vais juste fermer. Il n'y a pas de souci en tout cas. Bah, regardez. Je vais les mettre avec les autres. Et la prochaine fois, on les mettra. C'est bizarre. Dès que je saute, il y a mon FOV qui change. Je vais les mettre avec les autres. Et écoutez, la prochaine fois, on les mettra tous dans la pizzeria. Ça va être un peu mieux. Au moins, là, vraiment, on est calé. Là, franchement, avec Circus, Foxy, Primangle, Night Marionette. Franchement, on a quoi faire. Là, je suis vraiment content parce que on a les deux. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Regardez ça. Bon, par contre, on va partir parce qu'il y a un peu trop de bruit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? What? Il n'y avait pas une chauve-souris? Je sais pas, est-ce que c'est la fatigue qui tape? Est-ce que c'est la fatigue qui me fait voir des choses qui n'existent pas? Sûrement. C'est n'importe quoi. C'est fou. Par contre, genre vraiment, je me demande où est Pingui. Il est là, je sais que j'entends, voilà. Bah en fait, il avait du mal à se téléporter. Bon, en tout cas, les amis, je suis vraiment, vraiment content qu'on ait réussi à... Bon, enfin... Mais what? Ah, il s'est re-téléporté, c'est quoi ce délire? Ils sont chelous. Et normalement le jour ils n'arrivent plus à se déplacer. Comment ils ont fait pour? C'est chelou. C'est pas très grave. Écoutez, on va passer par là. Nous, en attendant, on a fait notre travail. Je suis vraiment content. Voilà, c'est une bonne chose de faite, les amis. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode de la survie FNAF où on a quand même
on a quand même écouté récupérer les... Enfin, on a quand même cloné les deux animatronics qui sont quand même très très importants pour la suite de l'aventure. Écoutez, ça fait plaisir d'avoir voilà, Foxy Mungle, enfin Foxy Premungle dans notre équipe comme ça. En tout cas, voilà. Merci à tous les amis de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de la Survie FNAF. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu, les amis. On arrive bientôt aux 100 000 abonnés. Je compte sur vous, ça me ferait énormément plaisir que vous abonniez, que vous vous abonniez. Voilà, c'est, quand c'est français, c'est mieux. En tout cas, les amis, on se dit à très très bientôt. C'était Golden, Red, Pingouin et Gillian. Allez, bye tout le monde.